Allez, on va essayer ce jeu dans d'autres os. Regardez-moi déjà, rien que la musique, ça vous donne envie de vous battre. Alors, mode solo ou mode coop? Oui, on peut jouer à deux, avec un ami. Ou avec un ennemi aussi, ça peut être marrant. Trois vaisseaux sélectionnables, plus le vaisseau bonus qu'il te faudra déverrouiller, petit scarabée. Me... Allez, on va prendre celui par défaut. Marco. Polo. Jusque là, tout est normal. Jusqu'ici, tout va bien. Donc plus on tire, plus on charge son spécial, ok. D'accord, ça cancel, mais pas tout. C'est assez vague quand même, non? Bon, en tout cas, j'en sais rien où nous mène ce jeu, mais l'esprit arcade m'a l'air d'y être. Plein de bonus qui drôment dans tous les sens. Du level up pour le vaisseau. Bah oui, c'est ce que je comprends si vous lisez comme moi. Oh là là, oh là là. Alors déjà, la visibilité, je sais pas si vous voyez ce que je vois moi. Hormis le fait que les colorophobes... Oui, je vous rappelle que c'est une maladie, hein, les gens qui aiment pas les couleurs. que j'ai inventé, mais... Elle est bien. Les colorophobes vont être malades déjà. Parce que il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, regardez-moi ça. Ensuite, bah c'est chargé, parce que il y a des tirs, il y a des ennemis, il y a des tirs ennemis, et il y a des bonus au milieu à récupérer, des fois, bah, on voit pas trop. Alors, comme je l'ai dit, le jeu a le bon goût de vous proposer de ralentir les déplacements du vaisseau pour se faufiler un petit poil, mais ça sera suffisant. Parce que là, je vous avoue que j'en chie un peu, beaucoup. Je sais pas comment je passe des fois. Alors je suppute. Non, ce n'est pas une prostituée qui a trop chaud. Je suppute qu'il y a une hitbox qui est tout rikiki. Ça c'est la super bonne nouvelle. Et c'est ce qui fait que le jeu est maniable. J'utilise mon feu de la puissance ultime indécente. Parce que lui, il me semble pas sympa quoi. Ah. Alors, comme les vieux jeux Rising et compagnie,
Ils ont trouvé quand même le talent de vous foutre les méga bonus les plus importants la plupart du temps, toujours sur la trajectoire d'une bonne flopée de boulettes, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Oh la vache, oh la vache. Oh, et puis ça clignote de partout. Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Sandwich au? Tu veux pas une poire à l'avant, plutôt? Non, bon. Ah, pas rester au milieu. Non, c'est mal le milieu avec les doigts en général. Ah merde. Ah, le bonus. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Pas le mieux. Moi, vous me connaissez. Hein. Et puis, de toute façon, elle présente bien. Elle. What? Oh my god. J'ai l'impression d'avoir un jeu qui est entre un shmup et un jeu pur arcade avec des graphismes bien choupis. Et je vous garantis que j'emmène pas large parce que j'ai vraiment du mal à suivre ce qu'il faut éviter de ce qu'il faut récupérer. Et c'est vraiment un fouchtra. Oui, c'est le bon nom, le fouchtra. Oh putain! Alors, j'ai pas pigé la différence entre mes deux bombes. Oh putain. Pas bougé, si. ça cancel, ok, mais ça fait pas une grosse portée, ok. J'ai compris ça. À moi le trésor, ça a l'air bien. Oh, c'est n'importe quoi. Ça y est, monsieur qui est rentré dans le jeu. Ah, il me rappelle un titre de Kiev dont j'ai totalement bouffé le nom. Où on se bat contre des jouets géants. Et du coup, c'est choquant quand même le premier rapport. Ah, mais c'était pas le boss, ok. Tu me fais pas de misère, toi? Non. T'es pas comme ça. Non. Oh putain. Ne reste pas au milieu. Note pour plus tard. Ne reste pas au milieu. Ah, oh, purée. Que. Ah! J'ai été anéanti? Tiens, prends une bombe dans la gueule. Oh, il me remet un laser derrière. Ça va. Je gère. Il veut pas crever, je crois. Ah! Tiens, non. Ah, j'ai plus de bonus, j'ai plus rien. Autrement dit, je l'ai dans. Bah, j'ai pas pu terminer cette phrase, quoi. C'était impossible. Lui, je l'en mets un peu plein la gueule parce qu'il m'a l'air très très remonté, le gars. Oh, à chaque fois, je me prends le laser. Parce que oui, on continue. Oh, il lui remonte même pas sa barre de vie au boss. Il a aucune chance, c'est dégueulasse. Même moi, joueur, je suis contre cette pratique qui date d'un autre temps qui est révolue. Oh, il va pas être cool, là. Il va pas être cool. Non, il est pas cool. Mais il descend à deux à l'heure, ce truc. Bobom, we are... Mais crève, nom de Zeus. Alors, ce premier tableau est une sacrée mise en bouche, parce que là où d'autres jeux vous font douter de... votre envie d'aller au second niveau, celui-là, d'emblée, il vous fait... Regarde l'intro, t'imagines la suite? Ah oui, c'était une démo. Et bande de petits vénards, vous allez pouvoir l'essayer pour essayer de jouer mieux que moi, ce qui sera pas très très dur, hein, d'ailleurs. Et vous verrez que le jeu est intéressant. Ah, sa lisibilité quand même, c'est un sacré fouchtra, j'insiste. Il peut y avoir des problèmes chez les plus vieux, je pense. Après, si tu as moins de 40 ans, fonce, ce jeu est pour toi. Tu as de bons yeux, tout marchera bien. Si tu as moins de 40 ans et déjà des problèmes aux yeux, écoute mon premier conseil, c'est mieux.
En tout cas, ce Rangox Skies est très excitant. Il y a déjà des polémiques, comme quoi il y a des assets qui ont été repompés et tout. Pff, les gars, calmez-vous, un vaisseau c'est un vaisseau, un pattern c'est un pattern. Maintenant, regardez le global, ce que ça donne. Et puis si vous vous amusez surtout, quoi, parce que c'est ce qui compte. Donc moi je le trouve plutôt bien, ce Rangox Skies, et je vais essayer de mettre la main sur une version complète. Pour pouvoir vous en dire plus, voire même peut-être vous le montrer. Et donc dans l'absolu, Rangox Skies c'est plutôt du tout bon, de mon avis. Cette lisibilité est assez particulière, elle demandera un petit entraînement je pense. Mais le jeu est vraiment marrant, parce qu'il est nerveux, il est speed, c'est exactement ce qu'on demande quoi. Reste à voir sa longueur, et puis la courbe de difficulté sur la durée. Si ça va être progressif ou si ça va être géré un petit peu de nawaï, parce que ça dans un shmup en général c'est très important et ça pardonne pas. Si au troisième niveau les ennemis deviennent improbables à maîtriser, beaucoup seront tentés de jeter la manette. Allez playlist, bouton d'abonnement, et moi je vais m'entraîner un peu dans ce truc.